Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends. On joue Udyr Jungle, on est avec Amalfit, un Fizz, une Samira, un Thresh contre Gnar, Kha'Zix, Qiyana, Lucian et Braum. Et on est actuellement en game de placement. On avait un Elo Platine 2 à la saison précédente. C'est parti. Alors. Tac. Tac, 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 tac. Toujours buggé, hein, les items, ça régale. Se croirait sur Dofus, c'est incroyable. Ok, ça veut jouer agressif bot, on va follow. J'ai tendance à pas trop aimer les early trop ballsy, mais bon, là on est 5, ça devrait aller. Mais j'ai l'impression que souvent ça fait plus de la merde qu'autre chose. Faut juste suivre le trash là, de toute façon, c'est tout ce qu'il y a à faire. Let's go. Ouais, ça se présente pas trop mal. Oui. Allez, j'ai mis un tigre. Voilà, on commence directement à imposer son petit style. Je crois pas qu'il est flash. Hein. C'était un peu obvious. Ah, ça fait chier. Bon, c'est bien qu'il ait pris l'info. Kha'Zix, ouais. Attention. Je pense que je vais le smite par sécurité. Super smite, GG Grifox. J'ai bien envie de passer au bot, mais j'ai pas mon niveau 3 en fait. Je pense que c'est de la merde hein, si on n'a pas d'engage. Sauf si le Thresh il arrive à caler un truc. Ouais, c'était bien tenté. Franchement, ça se sentait. Dommage que j'avais pas mon level 3 quoi. Si j'avais mon level 3, on faisait un massacre. Par contre, son grappin il l'a calé un peu chelou. Mais bon, en tout cas, il essaie de faire des trucs. Il follow les calls, c'est cool. Il a l'air pas trop mauvais le Thresh. Je pense que je vais essayer de jouer beaucoup autour de lui. Parce qu'un Thresh qui fait un peu de pression et tout, moi ça peut me donner des opportunités. Et un grappin qui place, suivi de moi qui cale un stun. Et en principe, ça fait un kill. Hein, donc ça, c'est pas mal. Ok, c'est très close au mid. Je vais essayer d'y aller. Avant que le Kha'Zix récupère. J'espère qu'il va pas grid. Ça fight bot. Ah, il faut que j'y aille par contre en vrai. Est-ce que je peux l'avoir? Je vais me prendre un Kha'Zix. On peut avoir un peu de follow-up ou pas? Oh, je vais la flash in. Je perds du temps là, depuis tout à l'heure, je bouge pas. Eh oui. Ah, faut pas jouer avec mes couilles trop longtemps non plus, hein. Si vous voulez. Heureusement qu'ils ont réglé le bug qu'il y avait sur. Par contre, le fils, ce serait bien qu'il crave pas par contre. Ils ont réglé le bug qu'il y avait sur Udyr où le flash il devenait en CD comme une posture. C'est incroyable quand même, on est à quel elo là? Ah, c'est les games de placement, mais il ose me ping, mais c'est incroyable. C'est vraiment abominable, hein, par contre. Hein. Bon, c'est normal, hein, ce jeu c'est toujours pareil. Donc lui, on va le mute, évidemment. Hop. Ah là 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 là. Bon, on va essayer de solo carry. Comme d'hab, en fait.
Mais il faut que je reset là, il y a Drake en seconde. Je vais pouvoir prendre le machin truc là. Je sens que le fils va filer, je sais pas pourquoi je le vois venir à des kilomètres. Il s'expose de ouf. Bon, ça a l'air d'aller. Malphite qui tient sa lane fidèle à son perso. La botlane qui crée pas mal d'opportunités. Je vais encore une fois, je vais essayer de follow. Bon, le Thresh malheureusement qui touche pas beaucoup de grappins. Mais il y a quand même de l'idée. Samira qui perd son flash. Je vais essayer de voir si je peux pas lâcher un petit follow-up. Avec la plante là. J'ai plus de flash par contre. Ah, j'ai encore oublié de changer mon trinket. Ça va pas ça. Mais non, c'est de la merde. Le comme il s'est passé un truc chelou en early, du coup j'ai pas pris mon deward et là je suis un peu dans la sauce. Est-ce que je peux me permettre ou pas de faire le Drake? Il a l'air d'avoir une prio mid en vrai. Je vais l'attendre. Oh oui, je vais follow. Ah, je suis dans la merde là. J'ai un peu int, ça va, c'est pas grave. Ça s'en sort pas trop mal, mais j'ai peur que ça leur fasse un free Drake. Il n'y a plus la plante. C'est un peu la sauce. Hein. Faut surtout pas que j'oublie de changer de trinket. Je déteste le nouveau système de smite là. Par contre, je suis pas du tout sûr de lui là. Ça avance pas. Faut me faire confiance par contre. Hein. Ah d'accord. Ouais, évidemment avec la Samira qui nous tombe, enfin la Qiyana, ça faisait un peu too much. Sinon le kill que j'ai calé sur le Broom était très propre. Mais là c'est aussi moi qui ai une mauvaise vision de map, j'avais l'impression que le Fizz avait plutôt une prio mid et en fait il s'est passé un peu de temps et j'ai pu bien regarder ma map. Malgré tout je pense que c'est quand même pas trop dégueu. Fizz qui récupère au top, par contre le Drake tout le monde s'en tape. Bon, c'est un Drake d'océan, la limite c'est pas très important, mais. Ce serait quand même bien de pas le laisser gratos. Il y a un Carap aussi. J'ai encore oublié de changer le trinket, c'était sûr. Je suis le pire bouffon. Eh putain, j'ai plus de smite. Ah, je suis un con de merde, hein, c'est incroyable ça. Hein. Pourquoi j'ai smite mon bleu? On y va. Hein. Ok, il y a un bleu ici, je vais le prendre. Je prends un peu de risque là. Oh, j'ai fait n'importe, hein. J'avais le free Carap bot, hein. Il avait lâché le smile sur le Drake évidemment. C'était très con. Bref, on va tenter de faire un truc top. Je pense pas qu'ils s'y attendent trop à me voir. Ouais, c'est pas mal ça. Bien joué, mon bro. Est-ce que je l'aide à push? Non, je vais rush le Herald, je pense. Pas d'infos sur Kha'Zix. Je fasse attention. Peut-être ce serait bien qu'ils viennent parce que là j'ai ni info sur le mid sur Kha'Zix. Bon, j'ai un flash, mais quand même. Smite à 510. J'ai envie de le mettre au top le Herald. Est-ce qu'il a une TP Malphite? Non, il n'a pas de TP malheureusement. Je pense pas que ce soit malin de le mettre maintenant. Je vais plutôt reset, chercher mon raid. Je vais prendre ça. Ça. Ma pink elle a été enlevée. Hein. Ou alors, je peux faire plutôt peut-être ça. Plus intéressant comme ça.
Alors, je sais pas comment il a passé le kill, Fizz, bah tant mieux. J'avais l'impression que ça allait être un peu le problème de la team. Bon, il a l'air de prendre des kills, il a un bon KDA, même si c'est un peu un KDA player, c'est quand même pas mal, il a l'air de pas être trop mauvais. C'était ma plus grosse inquiétude, le Malphite fait le taf, la botlane a l'air de jouer sérieux. Le Thresh, il fait des bons moves. Alors là, j'aimerais bien aller chercher mon raid, mais je sais pas si j'ai le temps. Peut-être que je serais mieux de Karap into Heral top. Allez, on va tenter le raid, mais... J'ai peur que du coup Kha'Zix puisse prendre le Herald. Je suis pas sûr qu'il soit là, mais c'est tout à fait possible. Sinon je vais aller lâcher le petit Herald top. Je sais que la botlane aimerait bien que je vienne. Ok, c'est bon, ça c'est free. Et je crois que j'ai encore oublié mon trinket, non? Auquel cas je suis un peu un bouffon quand même. Ah, j'ai flash pour rien, je suis un gogol. Je suis un énorme gogol. Bon, par contre, je l'ai atomisé le Kha'Zix, hein, c'était assez magnifique. Est-ce que je vais me prendre la Qiyana? Ouais. On y va. Allez, le tigre, hop, yes. Je pense que je vais reset. Alors, AD ou AP? AD, hein, clairement, tac. Je vais prendre ça, je vais prendre une pink, je vais rush prochain Drake. Bon, moi le fils finalement qui récupère ses petits kills. Petit Drake infernal, bon je suis en train de tomber la game, vraiment là je suis en 7-1. C'est une destruction. Est-ce qu'on fait une petite phase de fight botlane avant ou pas? J'ai encore oublié de changer le trinket, je suis vraiment un bouffon par contre, un autre joke. Hein. Allez, la Samira, on lui met la sauce. Le Lucian, pardon. Je garde mon smite si j'ai besoin. Est-ce que je vais réussir à penser à changer mon trinket avant la fin de la game? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Bon, du coup, on va lâcher nos wards, c'est un peu con, mais... Smite à 600, on va essayer de pas le rater. J'aurais bien croisé le Kha'Zix pour lui mettre la même chose que tout à l'heure, là c'était assez jouissif. Allez, sauve-toi mon grand. Du coup je récupère son raid, ça régale. J'ai smite 2 secondes. C'est bon, j'ai eu mon raid, c'est tout ce que je voulais. Moi je farm hein, si vous voulez, il y a des gens qui veulent se battre, très bien mais... Voilà pour ça ou d'un moment. Ok, là je suis un peu exposé comme une merde par contre. Faut pas me laisser solo. My bad. Je sais pas, j'ai l'impression que ça allait plus follow, mais moi je me suis exposé comme un débile. Hein. Le maxi grid que j'ai fait, c'est de vouloir aller chercher les Krugs alors que j'avais juste à me barrer par le Drake et j'avais dû faire ma récup de mon côté. Là j'ai juste fait le bouffon, hein. C'est 100% ma faute. Je vais m'excuser d'ailleurs. J'ai pas encore assez de mobilité pour faire le 1v2 en fait. Là le 1v2 j'aurais pu le faire si j'avais eu un moyen de casser la distance et de détruire le Lucian instant. Mais j'avais pu le céder sur les Stropiers parce que je l'avais utilisé pour last hit le raid. Et du coup j'ai pas pu aller le choper instant et j'ai pris trop de dégâts avant de pouvoir casser la distance. Je suis à pas grand chose de pouvoir 1v2 mais là c'est un peu trop demandé pour l'instant. Malheureusement. Et avec la boulette que j'ai faite ça snowball et du coup ils se prennent encore pas mal de merde dans la gueule. Là c'est un peu 100% ma faute. Par contre on y va là maintenant. Ouais, c'était quoi ce dash là? Ah putain l'auto qui est pas passé. Bon là pour le coup j'ai voulu follow Samira, c'était peut-être un peu beaucoup. Et c'est n'importe quoi du coup ce qui se passe.
Voilà, ils ont tous 2 PV, c'est magnifique. Là j'ai voulu follow, je me suis dit j'ai fait de la merde, du coup je retourne avec eux alors que j'aurais mieux fait d'aller secure ma jungle. Le Lucian lui a manqué une auto pour que je le tue, donc c'est un peu frustrant. Alors le Brom qui ne prend pas de dégâts sur l'ulti de Fizz, hein, c'est un peu unlucky. Après bon il récup, c'est pas trop mal, finalement il snowball bien aussi. On va être deux à stomp la game du coup. Ouais, là mes deux morts d'affilée, c'était vraiment gros misplay. Ouh là là, le trinket. Enfin, on y arrive. Ça, bon, on va rush Herald du coup. On va aller refaire un petit kill top s'il faut. Faut faire gaffe parce que là on a donné beaucoup de kills. Ça peut se retourner. Hein. Faut que je me refocus un peu. J'ai fait une excellente early game. C'est pas le moment de faire nimp. On va essayer de remonter un peu le level. Malphite qui vit sa meilleure vie solo. Faut pas que je me fasse bait par la Samira qui a l'air d'avoir envie de rush dans le tas. Après, elle a un perso qui fait des dashs, j'ai jamais vu ça, hein, mais bon, c'est... pourquoi pas. On va aller choper le Gulnar, je pense. Hein. Si le Malphite il peut tanker 2-3 coups de tourelle, après moi je passe un kill en 2 secondes. Alors, ok, je lui ai fait cancel son back, donc il va falloir faire un truc derrière. On y va. On va pas la peine de s'exposer. Oh mais pourquoi à chaque fois que je suis quelque part, il y a 42 000 mecs qui me courent après, sérieusement? Pourquoi ils sont 4? Je voulais aller top, je me dis, allez, c'est bon, ça fait une heure qu'on perd ma fight au bot, je vais top, il y en a 4. Qu'est-ce qui se passe en fait? On est où là? Bon. C'est abusé en vrai. C'est abusé. On me dit dans le chat, ouais, faut pas se dire je vais les aider pour rattraper, faut juste faire ce qu'il y a de mieux à faire. Oui, mais d'un point de vue purement stratégique, oui. Sauf que dans LoL, il y a une composante qui est hyper importante, c'est le mental des gens. Si t'as un mec qui se met à AFK ou qui se met à courir tout droit dans le Nexus parce qu'il est tilt, il faut aussi prendre ça en compte, tu vois. C'est un peu con, hein, mais ça fait partie de la solo queue. Il faut un peu jouer le psychologue de fortune pour ne pas que tes alliés ils full tilt en fait. Donc quand tu sens qu'il y en a qui ont des mentales un peu fragiles, ça peut valoir le coup de prendre une décision qui paraît sous-optimale sur le plan purement stratégique. Mais qui en fait est intéressante pour que les gens continuent à jouer avec toi en fait. T'es jamais à l'abri d'un animal qui d'un seul coup a envie de te faire perdre en fait. Donc il faut quand même faire un peu attention à ça. C'est chiant hein, mais bon c'est comme ça, hein, ça fait partie de la solo queue. Ah, il continue à faire nimp là par contre. Alors là tout de suite on y va évidemment. Hop, le tigre qui fait le taf. Le Drake qu'on récup. Oui, ici, mais... con, quoi. Un joueur aveugle avec nous, hein. C'est un peu unlucky. La petite pink est posée, smite à 680. Alors, a priori, il n'est pas trop... il n'y a pas trop de risque qu'on se le fasse contest. Ok, il y a un raid. Je vais croiser du monde, je pense, là. Allez, hop, il a claqué l'ulti. Oh, je lui mets vraiment une de ces misères au Kha'Zix depuis le début là. Il a pas joué le pauvre. Chaque fois que je le croise, il lâche un flash ou un ultime ou un truc comme ça. Lequel, le Thresh qui lâche une vision de ouf. GG à lui. Je vais rush le bleu en face. Ouais, ok. Ah, vas-y mon pote, prends ça, régale-toi. Je pense que j'ai un carafe. Non, il est fait, d'accord. Je m'expose là, par contre je fais un peu nimp peut-être, ouais. Je voulais aller choper le raid, le bleu pardon. C'est un peu greedy, alors là par contre je crois qu'ils ont plus de vision. Là bah salut toi hein. Faut mettre un peu de follow-up là. Je vais me faire all-in. Non c'est bon, je fais claquer des trucs. Il y a un brom en bas, je vais aller récupérer le farm. Peut-être faire une petite session de split push assez vite. Je commence à être bien. J'aime pas trop cette phase de jeu là, c'est un peu n'importe quoi, il n'y a pas besoin de fight autant. J'ai quoi, 10 kills? Je suis pas trop mal en vrai. On va aller récupérer un peu de farm.
Alors, est-ce que je... ça peut valoir le coup que je vienne... Oh, le Malphite, il fait un taf de ouf. Hein. Je vais essayer de venir l'aider, le bro, là. Interception de Luciane. Est-ce que je peux le choper? Je crois que j'ai pas encore assez de mobilité. Ah, putain, fait chier. C'est le Udyr Trinité de la version d'avant me manque quand même. Hein. Là, je l'aurais chopé mille fois. Hein, mais je vais beaucoup moins vite. Après, je suis un peu plus tanky, je peux plus rentrer dans la mêlée. Faut juste que je m'adapte j'adapte un petit peu mon style de jeu à la nouvelle saison parce que j'ai très peu joué avec les nouveaux items et compagnie. Je suis habitué à aller beaucoup plus vite que ça et à pouvoir aller chase les kills à l'infini. Mais là, du coup, je peux avoir plus d'impact en teamfight. Donc, je pense qu'overall, c'est quand même pas trop mal. Mais ça, faut juste que ouais, je prenne le coup de main. Merde, je voyais pas les HP du gros sbire, je l'ai raté du coup. J'ai un peu l'air con. Alors ça, typiquement, ça me met bien. Ok, je vois un Ragnar qui vient sur moi. On va pas forcer, c'est déjà bien. J'ai pas mal de gold, je vais plutôt reset. Ah, j'ai le cul sur une pink. En vrai, le Ragnar, s'il veut venir me test, là, c'est quand il veut. Quand il veut, on se met sur la gueule. Ça, c'est tentant d'y aller, mais il faut pas que je grid, là, j'ai trop de gold. Hop. Le reset s'impose, on prend un peu d'armure, ce sera pas mal. Un peu de farm à récup par là. Très bien qu'on ait de la vision sur le Nash. Ça me régale pas spécialement le fils qui me prend mon truc, mais ok. Ok, ça fight là, on y va tous les jours par contre. Il y a un Lucian à choper peut-être. Genre, il y a personne qui crève là vraiment. J'y vais, hein, je m'en fous. Avec une vie. Oulala, pourquoi je me prends le focus de la tourelle là? Hop là, le petit. Hop là. Bon, j'ai fait un fight pas très propre, je sais pas si vous avez vu, mais mécaniquement j'ai un peu fait de la merde. J'ai très très mal utilisé mes outils, mais je m'en sors bien. Heureusement que j'ai une énorme avance en termes de macro. Parce que là, c'était pas très propre mécaniquement ce que j'ai proposé. On peut Nash en vrai. Hein. On aurait pu Nash, hein, no joke. Hein. Oh, alors lui, par contre, je vais lui mettre la sauce. Hein. C'est tellement agréable le petit dash de l'estropieur là. Vraiment ça me donne la petite mobilité qui me manquait. Alors je vais arriver à cliquer sur la plante, hein, vous inquiétez pas, on est safe. C'est vraiment la petite mobilité qui me manquait sur Udyr avant, où quand j'avais pas le flash et des fois je pouvais pas trop casser la distance. Et là le combo dash stun blue smite c'est vraiment insane hein, pour aller chercher des petites engage comme ça, c'est monstrueux. Ok, j'arrive si t'es dans la sauce toi. J'arrive. Ok, ils sont 3. On est combien nous? On est plus que ça en vrai. Hein. Tous les jours on y va. Hein. Ok, on est un peu vu. On y va, hein. go. Hop, le stun est passé. Le smite. Je suis sûr on peut le choper. Hein. Ouais, je me serais attendu un peu plus de dégâts. Mais... Après, on les fait fuir juste avant le Drake. C'est pas forcément une mauvaise idée. Hop. Je sais qu'il y a aussi un bleu à récup, accessoire, un raid à récup. Ouais, je prends tout, hein. Je vais faire ça into le Drake. Oh là, le trash il me rend du rêve en vrai. C'était un peu tendu, j'avais pas de smite là, j'ai un peu flippé j'avouerai. Mon bro. Ok, je vais pas m'exposer. Oh, en vrai, j'aurais pu y aller, ils sont tous morts. Je crains pas grand chose. Je pense qu'il est à son bleu en vrai. On va aller le follow à l'infini. Le chase sans fin, comme on dit. Je veux lui mettre une énorme distance au farm. J'ai combien? 152 à 115. Ouais, c'est correct. Sachant que j'ai pris beaucoup d'objectifs aussi.
Vraiment, ils se font bolos là. Comment? Comment c'est possible? Voilà. Le fils, ouais, qui s'est senti un peu invincible là. Oh oui, le Gnar, go. Tous les jours, on le chope en fait. Je me sens invincible quand j'ai le trash avec moi. Ok, le flash in. Ok, bon, j'ai un peu la sensation que mes alliés se sont sacrifiés pour que je vive, mais je prends. Ça me va. Ça me va. Le flash in du Brome était très bon, très très bien placé. L'ulti a fait des gros dégâts. Je me suis retrouvé out sans avoir pu poser de dégâts en fait. J'ai absolument rien pu faire du fight à part essayer de survivre. Donc, ça évidemment, c'est un peu relou. Qu'est-ce que je vais me prendre en vrai? C'est quasiment que du dégâts physiques en face. Hein. On va prendre. Plaque du mort plutôt. Tac. Tac. Bon, du coup, ils ont le dash, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Ok, on va laisser ça au Fizz. Je sens qu'il peut tilt à tout moment le Fizz, je sais pas pourquoi. Après, bon, il va chercher les kills, il a un bon KDA, il met quand même une grosse pression, mais là, le fait qu'il soit mort en solo et que nous, on se fait catch derrière, bah, ça leur a fait un dash gratos. Ça, c'est pas ouf. Je vais partir dans une optique de split push. Hein. Je pense que je peux me le permettre. Ils ont pas l'air de vouloir profiter de leur Nashor pour faire beaucoup de dégâts. Ok, Kha'Zix ici. Bah, je meurs également, bro, hein, merci. Là, ça va me retomber dessus par contre. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ils ont pas beaucoup de PV en vrai. Mais tous les jours, j'y vais en fait. Voilà, ils les ont retournés. J'étais un peu inquiet que ça me descende dessus. J'étais un peu plus concentré sur le fight avec le Kha'Zix. J'ai pas trop vu ce qui s'est passé pour être honnête. C'est bien ça. Il me fait peur le trash. Non, le grid pas. Oui. J'ai pu placer les dégâts. Le flash qui est lâché sur le Kha'Zix, j'esquive tout, je suis un ouf. Oh, mais quel boss! Mais quel boss! Mais bien sûr en fait, c'est juste le bro. Vas-y, tu me tankes cette tour s'il te plaît, Malf. Ouais, Osef. J'ai plein d'armure, je m'en fous. Non, je sais pas pourquoi je tank. Ouais, non mais c'est ok. C'était stylé, en vrai il manquait deux autos et je le tuais mais... Drake 50 secondes, je vais récupérer le Kara pour avoir de la vision, j'ai ma plaque du mort, ça me fera encore plus cavaler. Moi je veux juste aller à fond pour pouvoir split push et finir la game tout seul si ça part en couille et si ça se met à troll. Hein. Parce que comme on est encore un elo un peu incertain, j'ai toujours peur que ça parte en couille et que plus personne n'a envie de gagner, ça je connais trop. J'ai trop vécu ça pour ne pas sécuriser la solo win en cas de soucis. Je sais pas pourquoi personne n'est en position pour le Drake. Bon bah du coup je vais back. J'étais prêt à leur tomber dessus en flanque mais je sais pas, tout le monde est à l'autre bout de la map. Apparemment ils ne viennent pas avoir le l'âme des océans, enfin des nuages, bah tant pis. Hein. Ok, ils se font catch. La bonne lanterne du trash, mais j'y crois moyen, malheureusement. Voilà, c'est exactement ce dont je parlais, hein. Ils ont plus envie de jouer, je sais pas, ça joue plus. Du coup ça va, on va juste se faire catch comme des bouffons. Là, bah, je peux rien faire hein, en vrai. Hein. Malphite qui est pas là. Alors qu'il a un ulti, là, ce tour, ça aurait fait des dégâts de ouf. Première fois que je le vois faire de la merde, Malphite, il avait bien joué jusqu'ici. Là, ça leur fait du free drake, du coup. Je me régène tranquillement. En vrai, un bon ulti de Malphite, ça peut faire un truc à tout moment, mais... Je sais pas trop ce qu'ils ont branlé. Ouais. Non, mais... J'ai pas compris le move de la team. À partir du moment où le drake, il restait une minute avant qu'il repop, tout le monde s'est placé n'importe comment et allait crever un par un. Aucun sens. Vraiment aucun sens. Vraiment, littéralement, c'est... C'est assez affolant. On va essayer de faire des catch solo.
Le Kha'Zix, je sens que j'ai envie de leur tuer. Je sais pas pourquoi, j'aime bien tuer ce Kha'Zix. Bon bah du coup je vais go full solo, mentalité 1v9, je vais essayer de split, de tout prendre. Je suis presque full stuff. Là j'ai aucune vision par contre, c'est hyper dangereux ce que je fais, mais au point où on en est. De toute façon la team fait nimp, donc bon. Je peux crever à tout moment là-dessus. Voilà. Très bonne utilisation, le combo Estropieur plus bleu, Smite bleu. Je leur fais perdre du temps, moi je suis safe, je mets de la pression et du coup j'en ai mobilisé deux en bas et la team elle est en supériorité numérique sur le reste de la map. Là c'était un excellent move de ma part. Là on va chercher les catch, hein. Ok, j'ai vu qu'il y en avait 3 au mid qui peuvent me tomber dessus, 2 ou 3. Genre j'ai pas le gros, what the fuck. J'ai plus la même vitesse d'attaque qu'avant non plus. Hein. Ouais. La Trinité encore une fois me manque. Je suis encore en train de prendre en main le nouveau mode, hein, donc n'ayez pas peur si je fais des petites erreurs mécaniques comme ça, que je rate des last hits. C'est assez normal. 2100, en vrai je pense que je vais essayer de rush le farm jusqu'à avoir mon dernier item. Là ils sont. Alors maintenant ils ont décidé de. Et maintenant il n'y a aucun objectif, il n'y a rien, mais par contre le Malphite il y va. C'est vraiment. Alors quand il y a un Drake qui peut nous donner le sol, personne n'est là. Par contre, quand il s'agit de crever un timing qui n'a aucun sens, là tout le monde est en train de taper en 5v5, mais c'est n'importe quoi. Hein. On peut y aller peut-être. Hein. On a le trash. Ok, oui, ravi. Tous les jours. Bon, allez, je vais tuer le bro maintenant que je suis là. J'ai fait des gros dégâts sur les autres. Hep, le tigre. Je suis vraiment en train d'1v9 la game, par contre c'est abusé. Hop, allez, on va mettre un petit GG pour booster le moral des troupes, hein, pour évidemment que les alliés ne tiltent pas. Ça n'avait aucun sens le fight qu'ils ont pris, mais bon. On va dire qu'on va retomber sur un Nash. Tant qu'on a de la vision sur le Kha'Zix, ça devrait le faire. Je pense que je joue le solo le Nash de toute façon à ce stade. Je vais être full stuff juste après ça. Je garde mon Estropieur au cas où il y a quelqu'un qui se pointe, hein, mais... Je vais même go prendre le raid en vrai. Là je suis full stuff plus elixir level 18, ça va être quelque chose. Ce serait bien qu'on ait le prochain Drake. Mais en vrai c'est même pas impossible qu'on ait fini avant. Tac, ça doit être ça. Je crois qu'ils ont pas changé les élixirs, hein, c'est comme la saison d'avant. Ouais. Malphite qui est un peu solo, il me fait un peu peur j'avouerais. Je peux soit essayer d'aller faire un bon catch avec eux, là il nous faut juste un bon fight et on gagne, ou alors essayer d'aller split. En vrai on est tous là, go. Ouais, l'engage est bon. Hop, le stun est placé, je fais attention à pas trop m'exposer non plus. Samira, elle est où? Je veux chase. Mais non! Voilà. Oh, je voulais lui mettre la petite... je voulais la kill. Je l'avais. Elle était plus invisible. Je l'avais bleu smite. Bon, c'était très propre. J'ai détruit la game. Hein. C'était assez stylé. Je vais mettre un GG à Malphite. Ouais, franchement, bon, il a fait un peu de la merde à un moment, mais globalement, il a fait des bons moves. Le trash aussi aurait mérité. C'était très propre. Ah oui, c'est vrai que du coup on a récupéré les coffres et tout, stylé. Bon, 18 500 gold, je crois que le stomp est propre. Nice team, GG guys. Hop, je suis curieux de voir les dégâts quand même. Jean Lucien a plus de dégâts que moi, oh, ça c'est étonnant. Bon, you did good, Udir. Eh oui, you too. Mates. Bon voilà, petite game de placement, on continue. Ça me fait un peu chier
de ne pas être stabilisé déjà, parce que 10 games de placement ça me paraît un peu long, il y en a c'est un peu ça part dans tous les sens, j'ai l'impression que les c'est un peu plus le zoo que sur les games normales. Là ça commençait déjà à s'insulter dans la Champ Select au début. Mais bon, faut toujours garder la mentalité tryhard et faire au mieux. Et voilà. J'espère que cette game vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.